Avec mes trois sœurs, Louise, Philippine et Bérangère, on cultive du safran sur les toits de Paris. On a planté ici sur cette terrasse 35 000 bulbes, à peu près 700 mètres carrés, et on pense qu'on va récolter quelque chose comme un petit peu plus de 200 grammes de safran. Donc c'est une fleur qui a des couleurs magnifiques. Alors elle a un bleu très fort. Nous, quand on récolte, on a les doigts qui deviennent bleus. Et puis le rouge très vibrant des stigmates qui sont ce qu'on va émonder pour faire le safran. Ah, moi, nous, on est absolument convaincus que la ville et l'agriculture doivent se mélanger. On ne pense pas que Paris serait capable de se nourrir lui-même parce que la densité de population ne le permet pas. L'agriculture urbaine, outre le fait qu'elle apporte quand même une alimentation plus locale et de bonne qualité, aussi pour les bienfaits environnementaux qu'elle apporte, on pense que c'est inévitable de mélanger la ville et l'agriculture à l'avenir.